C'est cette réunion aujourd'hui qui a permis d'avoir un dialogue sur les points transversaux qui incluent aménagement territorial, agriculture, énergie, qui sont tous importants pour le climat et pour le développement. Avec tout respect pour la souveraineté et le droit de la RDC d'exploiter les ressources naturelles en vue des nécessités de développement, alors là, il n'y a pas aucun point de divergence. Le cadre légal qui existe en RDC, les lois hydrocarbures, les lois pour la protection des aires protégées, est assez solide et on a demandé que ce cadre légal soit appliqué dans tous les sens du mot. Et aussi, il y a des engagements internationaux que la RDC a pris, par exemple dans une lettre d'intention avec les partenaires CAFI, l'Initiative pour les forêts centrafricaines, qui aussi ont des remarques et des engagements sur les aires protégées, sur les hydrocarbures.